Hey, salut tout le monde, c'est Alex Chukier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dernière banlist qui est arrivée sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, qui n'est pas énorme. Il y en avait certains qui demandaient une banlist, je ne sais pas pourquoi, puisque clairement, je trouve que la méta actuelle sur Duel Links est clairement saine, et clairement équilibrée. Il y a certains decks qu'on retrouve dans le ladder encore très souvent, mais ça, c'est normal. Je veux dire, on a Vampire, on a Hero Masqué qui est encore en vie. Mais on a Vampire qui est toujours là, moi ça me gêne pas plus que ça, bon même si j'aime pas tellement affronter les Vampires puisque ça met 2 heures à jouer, mais le deck reste équilibré, et beaucoup d'autres decks, il y a juste éventuellement Koakimeru qui peut avoir beaucoup bougé la méta à lui tout seul en fait, puisqu'il y a beaucoup de decks qui ont été enlevés de la banlist à cause de ce deck, mais le deck est sorti beaucoup trop récemment, je ne vois pas Konami nerfer le noyau de diamant de si tôt. Mais bon, du coup, on va parler de tout ça aujourd'hui et aussi de l'impact que ça aura sur les investissements, sur vos investissements dans les decks méta de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. Bon, tout d'abord, parlons des dates, puisque la nouvelle banlist sera appliquée le 23-01, le 23 janvier, et les changements sur les compétences seront appliqués, voilà, entre le 15 et le 17, je crois même avoir vu le 14, quelque part, bref, ça va être dans ces eaux-là, mais ce ne sera pas pour tout le monde, ce sera pour ceux qui auront mis à jour leur jeu. Si vous voulez continuer à jouer avec les anciennes compétences, eh bien, ne téléchargez pas la nouvelle version du jeu. Même si bon, faudra bien passer à cette nouvelle version un jour, puisque ce sera obligatoire le 23. Donc, on a énormément de compétences qui ont été changées. Vous voyez, il y a Pierre Zombie, Je t'attends, Bijoux de Kaiba Corp, Volder, bref, plein de compétences. Et notamment le Testament des Harpies et Fusion Miraculeuse. Donc en fait, toutes ces compétences qu'on peut voir ici, ce sont des compétences qui, lorsqu'on avait perdu 1800 points de vie dans le duel, eh bien ça nous permettait d'aller chercher une carte précise dans notre deck, lors de la draw phase. Donc par exemple pioche zombie, si on perdait 1800 points de vie dans le duel, durant notre draw phase, ça nous permettait de piocher un zombie un zombie au hasard depuis notre deck et l'ajouter à notre main, au lieu de la pioche normale. Donc c'est pareil pour tous les autres, genre ça ajoute une carte insecte depuis notre deck au lieu de faire notre pioche normale. Le protecteur du tombeau, c'est pareil. Et du coup, toutes ces compétences passent de 1800, c'était toujours ce cap-là, si on perdait 1800 points de vie, on pouvait piocher la carte de la compétence. Et du coup, aujourd'hui, ces compétences peuvent être activées lorsque nos points de vie ont diminué de 1000. Et c'est très bien du coup. Du coup, ça permet de les activer juste avec un cyclone cosmique. Bon, toutes ces compétences, aucune de ces compétences n'a été utilisée en méta, sauf le bijou de Kaiba Corp éventuellement. Mais sinon, aucune de ces cartes n'était utile. Et du coup, ben, peut-être qu'on verra plus de plays avec ces cartes. Enfin, avec ses compétences, je n'en suis pas totalement convaincu, mais en tout cas, pour les decks fun, ça pourrait être beaucoup plus simple d'activer ses compétences, puisque comme je le dis, juste un cyclone cosmique ou d'autres cartes qui nous fait payer 1000 life points, eh bien, nous permet d'activer ses compétences en draw phase. Ensuite, nous avons le testament des harpies, donc cette compétence, le nouvel effet maintenant, c'est cette compétence peut être utilisée si vous avez au moins 4 cartes harpies dans votre cimetière. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était 5 cartes monstres harpies avant. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était ça la compétence avant. Et là, c'est 4 cartes harpies. Donc ça peut être magie piège aussi. Et ça, c'est plutôt bien. Donc ajouter un plumeau de dame harpie à votre main depuis l'extérieur de votre deck, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est bien. Surtout que, bon, si on joue un deck harpie, ce n'est pas nécessaire d'avoir le plumeau de dame harpie, puisqu'on a déjà notre carte magie de terrain qui gère les cartes magie piège adverses. Donc bon, cette compétence sera toujours très peu utilisée, mais éventuellement dans les decks fun, ça pourrait être utile. Et enfin, Fusion Miraculeuse, bah oui, hein, maintenant, on a la carte dans une box, donc à quoi sert la compétence? Du coup, ils l'ont remaniée, donc cette compétence peut être utilisée que si vos life points sont de 2000 ou moins. Avant, au début, c'était 500 ou moins, ils l'ont changé pour que ce soit 1000 ou moins, et maintenant c'est 2000 ou moins. Bah, je dirais que c'est logique, puisque de toute façon, on a les fusions miraculeuses dans notre deck de base maintenant, vu qu'on peut les avoir dans les boosters. Et du coup, au lieu de piocher normalement, la carte fusion miraculeuse est ajoutée à votre main depuis l'extérieur de votre deck. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ok, vu qu'on a déjà les fusions miraculeuses, je ne suis pas sûr que cette compétence sera utilisée. Mais en tout cas, c'est des changements qui sont, on va dire, agréables. Voilà, ça n'a aucun impact sur la méta, mais ça reste des changements agréables.
qui faciliteront leurs utilisations dans des decks fun. Donc du coup, passons aux cartes qui ont été touchées par la banlist. Il y en a trois. D'abord, on va parler des deux cartes semi-limitées. Donc nous avons le Livre de Magie du Destin. Donc je ne comprends pas tellement ce nerf. Surtout que là, c'est Konami qui se met une balle dans le pied. Puisque le deck Livre de Magie est l'un des rares decks pay to win du jeu. C'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre de l'argent dans le jeu pour avoir ce deck. Puisqu'on joue trois fois le Magicien Silencieux qui est genre super fort dans ce deck. Et du coup, bah, Konami, sans réelle raison, puisque le deck n'est absolument pas fort, enfin n'est pas absolument broken, on va dire, cette carte sera semi-limitée car elle peut potentiellement paralyser de nombreux decks. Ouais, éventuellement. Bon, qu'est-ce que ça va changer pour les decks livres de magie? Ben, il y aura un livre en moins, et surtout, on ne pourra plus utiliser de cartes semi-limitées dans les decks spellbook, puisque, eh ben, genre, je veux dire, si vous jouez spellbook, vous êtes obligé de jouer le maximum de livres de magie du destin, puisque c'est la meilleure carte du deck. Et du coup, bon, si vous jouiez la Tornade Géante, enfin pas Tornade Géante, Aetronade, si vous jouiez la Trappe Perfide, ben, ces cartes, vous les enlevez. Bon, après dans Spellbook, on n'utilisait généralement que la Trappe Perfide, mais vous pouvez la remplacer. Donc le deck, bon, est un petit peu nerfé. C'est vrai que le deck Livre de Magie existe depuis longtemps. Bon, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont nerfé le deck. C'est parce que le deck est extrêmement vieux, mais en soi, je pense que c'était pas nécessaire. Par contre, cette carte-là, c'était nécessaire. Cette carte, je la déteste. Coup d'épée silencieuse, cette carte sera semi-limitée car elle est très puissante et il est difficile de la contrer. Cette carte, je pense, est l'une des cartes les moins équilibrées de ce jeu. Elle n'a aucun effet négatif. Genre, voilà, vous ciblez un monstre spadassin silencieux, regardons son effet, c'est une magie rapide. Donc, on cible un magicien silencieux que vous contrôlez, il gagne 1500 pour l'attaque, tout va bien. Surtout que, si on le fait, le monstre n'est pas affecté par aucune autre carte de l'adversaire, tout va bien. Cette carte ne peut pas être annulée, enfin, l'activation de cette carte et l'effet ne peuvent pas être annulés, tout va bien. Et en plus, vous pouvez retirer du jeu cette carte pour aller tuto un monstre depuis votre deck. À quel moment cette carte est équilibrée? Dites-le-moi. Bon, cette carte en méta n'a pas été très présente, sauf pendant une certaine période où le deck Spadassin Silencieux était fort. Mais cette carte est absolument... Elle est stupide. Elle est stupide. Cette carte, je l'attendais dans la banlist depuis longtemps, même si on la voit très peu. Et surtout que dans les prochains jours, on va avoir un nouveau deck de structure avec les Spadassin Silencieux, qui va rajouter justement la carte Spadassin Silencieux. Et du coup, bah, ça risque de rendre cette carte encore plus forte. Donc merci d'avoir limité cette carte. Je pense qu'elle peut... Enfin, semi-limitée. Mais je pense qu'elle aurait pu être limitée, puisque... Ah, je déteste cette carte. Cette carte est beaucoup, beaucoup trop forte. Et aussi, nous avons le bébé tigre amazonesse qui est enlevé de la banlist. Cette carte sera retirée de la liste, car les cartes Assaut amazonesse et Princesse amazonesse sont toutes les deux sur la liste des cartes interdites limitées, ce qui empêche ce monstre d'être invoqué plusieurs fois. C'est logique. Puisqu'en fait, à l'époque, le bébé tigre amazonesse avait été semi-limité, puisque... Eh bien, le deck amazonesse était très fort, et que ce monstre pouvait être invoqué énormément de fois. Et du coup, bah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, le deck Amazoness a perdu énormément en puissance grâce aux assauts et aux princesses. Et surtout que bannir ou débannir Bébé Tigre Amazoness ne changera pas grand-chose au deck. Je veux dire, le problème a toujours été pour le deck Amazoness l'assaut qui était en x3 ou x2 pendant une période. Et la princesse Amazoness, ces deux cartes étaient beaucoup, beaucoup trop fortes. Et du coup, bon, le bébé tigre avait été nerfé à un moment, mais ça n'a pas changé grand-chose au deck Amazoness. Donc on peut le remettre dans la méta, on s'en fiche. On peut le remettre en non limité plutôt, mais on s'en fiche, ça ne changera rien. Et du coup, je vous parlais de l'impact de cette banlist sur nos investissements, puisque c'est vrai que les helpers sur mon Discord, que vous pouvez rejoindre dans la description, qui conseillaient aux joueurs de ne pas trop investir dans des decks comme héros masqués, comme vampires, puisque... S'il y a une banlist un jour qui arrive, ces decks ont énormément de chances d'être nerfés et du coup rendre votre investissement eh bien inutile. Et du coup, on peut voir que Konami ne semble pas penser qu'il soit nécessaire de nerfer ces decks. Et surtout, bah, les banlists, on n'en a pas tous les mois non plus. Hein. Généralement, on en a tous les 2 ou 3 mois. Donc si jamais, voilà, dans les prochains jours, vous voulez vous faire un deck héros masqué, sachant qu'il y a une selection box qui arrive, qui vous permettra de faciliter l'acquisition de vos Anki et de vos changements de masque. Et si jamais vous voulez faire par exemple un deck vampire, un deck blue eyes, un deck je ne sais pas quoi, des decks récents, eh bien vous pouvez les faire sans trop vous soucier d'une banlist, puisque je ne pense pas qu'on aura une banlist de sitôt.
puisque bon, je pense qu'aujourd'hui la méta reste assez équilibrée, même s'il y a Koakimeru qui change beaucoup tout ça. Je pense que voilà, on n'a pas à s'inquiéter. Vous pouvez jouer vos decks vampires, vous pouvez jouer vos decks héros masqués, ils seront toujours forts et ils seront pas nerfs. Eh bien, dans les prochains jours. Et du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Links sur ma chaîne. Et sinon, vous pouvez aller voir mes autres vidéos ici, elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.